zimzam.net. Directement du Colisée de la Sarre pour la 46e édition du tournoi national Bantam. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Gary Daigneault, la voix de GoFM. Bonsoir, Gary. Bonsoir, François. Ça va bien? Ça va très bien. Très heureux d'être ici. Gary, tu es arrivé depuis quelques heures. Tu vois d'autres tournois en région aussi parce qu'on sait que GoFM est la voix du sport en Abitibi. Donc, que penser un peu de l'organisation ici? Écoute, la première année que j'ai assisté au tournoi, c'est il y a 2 ans. Lors de ta première année à toi personnellement comme président. Et j'avais été tellement impressionné le vendredi soir, je l'avais parlé avec mes patrons et tout ça, j'ai dit, faut y retourner. Puis on était là l'an dernier aussi, et cette année, la foule incroyable. Moi, j'en reviens pas de voir à quel point les gens, pour eux, à la Sarre, c'est un tournoi qui leur tient à cœur, l'équipe des Lions et tout ça. Écoute, c'est merveilleux. Et vous avez, je peux te le dire, François, vous n'avez rien à envier à aucune autre organisation à travers la région. Merci beaucoup, Gary. Garde aussi, tu connais beaucoup de monde à la Sarre, tu connais M. le maire. Qu'est-ce qui t'amène d'année en année à revenir dans le coin? Écoute, ça, c'est une autre histoire parce que quand je suis arrivé en Abitibi, on m'avait dit « Tu vas être animateur à l'Ouest. » Moi, ça me disait absolument rien. On m'a dit « Tu vas être basé à Rouyn-Noranda et tu vas avoir à t'occuper de tout ce qui est Abitibi-Ouest. » Et là, évidemment, j'ai dit « Les villes importantes d'Abitibi-Ouest, on m'a dit la Sarre. » Ça m'a pris 15 jours, 2 semaines. Je suis venu à la Sarre. J'ai baptisé la ville de la Sarre, la ville de l'amour. Ouais, et vrai. Ça, c'est une longue histoire qu'on n'aurait pas le temps de raconter à vos auditeurs. Mais je peux dire que à chaque fois que je reviens, je me le fais dire. Les gens, je sens que les gens m'écoutent. On me dit, tiens, M. Daigneault, êtes-vous content d'être dans la ville de l'amour? Oui, je suis content d'être dans la ville de l'amour. Et je peux dire que le maire Wood, tous ceux que je connais, comme toi, François, les gens qui militent autour du hockey. Je pense aussi à Fred Bédard, qui est un de mes bons amis, un gars de Macamic, mais qui a coaché longtemps ici avec les Conquérants. Il est maintenant le président. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir à la Sarre. Ah bien, c'est super gentil, Gary. Merci beaucoup de ta présence ici. Puis à chaque année, c'est pour nous aussi une belle fête de vous accueillir, les gens de la radio. Et je veux féliciter toute ton équipe pour le site web. On l'a dit à la radio ce matin, je le répète. Quel site web incroyable. Encore là, les autres tournois, vous avez mis à barre haute en maudit pour les autres tournois. Bien, c'est bien gentil. On apprécie beaucoup parce que, oui, il y a toute une équipe en arrière de ce site-là, dont mon cher ami Maxime Houille, qui est derrière la caméra. Pour exactement. Merci beaucoup, Maxime. On le verra dans quelques années pour RDS. Puis sûrement président du tournoi Bantam. Oui, merci sûrement. Beaucoup. Bonne bien soirée. Bon. Merci, Gary. Bye. C'était donc François Balançon, directement du Colisée de la Sarre. Ah!